là 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 là. Je me dirige avec ma stagiaire Aileen vers les tatous. C'est pour le petit check-up du matin. On va aller voir si tout le monde va bien, leur donner un petit truc pour faire un petit déjeuner pour les filles. Et puis pour montrer à Aileen, pour lui faire découvrir un petit peu l'univers des tatous. Hello ! Y a personne ? À la base, elles ont une petite cabane pour dormir dedans, mais elles ont trouvé l'excellente idée de se mettre en dessous. Elles creusent beaucoup, elles aiment bien être confinées, donc c'était un parfait endroit sous la cabane qui est bien lourde. Coucou les chéris! Coucou les lunettes! Bonjour! On vous réveille. Là, on a Lady et Gaga. Est-ce que tu les différencies un peu là ou pas? Il y en a une qui est plus grosse. Gaga est plus grosse. Alors, moi, à chaque fois on dit ça, c'est un peu réducteur pour elle, mais on l'appelle Gras-Gras. Parce qu'elle a des petits bourrelets là. Des petits bourrelets et. Elle est un petit peu plus, grassouillette que Lady. Dans les mêmes techniques, on sait que Gaga est un peu gras-gras. Donc voilà, Lady gras-gras. Un tatou, c'est un animal qui est un peu bizarre, un peu... je sais pas, on dirait que c'est préhistorique. Enfin, il y a des poils, il y a du cuir, il y a de la carapace, il y a une queue bizarre, il y a des écailles. Enfin, c'est vraiment un animal assez spécial et qu'on voit pas forcément tous les jours. Allez dehors, allez leur donner, mettre un petit peu... Non, passe pas par là. Non. Ah, tu ressors et tu... Ah, quoique si, je suis con, il y a une porte. Ah oui, je suis con. C'est marrant, ça, c'est une bonne invention, ça, les portes. J'avais pas du tout pensé qu'en fait, il y avait une trappe, mais il y avait surtout une porte. Donc, tout simplement à ouvrir et à plancher. Et du coup, moi, je suis un peu passé pour un neuneu pendant quelques secondes. Je te laisse mettre deux, trois petits bouts à gauche, à droite. C'est des coups de poulet? C'est des coups de poulet cuits, ouais. Donc, tu les caches un petit peu. Ça? C'est omnivore, ça mange de tout, donc... Okay. Tu les caches à gauche à droite, tu les enterres sans trop les enterrer non plus, dans des petits endroits où ils peuvent chercher. Ouais. Et puis voilà, tu peux les laisser ouvert parce que c'est une porte, on peut laisser ça ouvert. C'est magique. L'idée, c'est d'en mettre un petit peu partout à gauche à droite sur l'enclos. Pour que ça les occupe tout simplement, pour qu'elles fouinent, pour qu'elles cherchent, pour qu'elles creusent. Ce matin, il fait beau, du coup, on peut se permettre de les mettre dehors. Dans le milieu naturel, c'est ce qu'elles vont faire, elles vont aller chercher leur nourriture, des petits vers qui sont dans la terre, etc. Et creuser, renifler, sentir, tout ça. Donc ça fait partie de leur mode de vie, de leur mode de recherche pour se nourrir. Donc on essaie de reproduire un petit peu la même chose, on essaie de représenter un petit peu ce qui pourrait se passer dans le milieu naturel. Ça va, la sauterelle? Ouais. Elles sont pas trop habituées à sortir le matin, c'est vrai que là il fait chaud, donc là je leur propose direct de sortir dès le matin. Donc comme elles sont pas trop habituées, mais en fait, elles vont chercher là où on a potentiellement l'habitude de leur mettre à manger à l'intérieur. J'essaie un peu de faire un peu le petit poussé en mettant un petit peu des verres de farine, genre jusqu'à la porte. Lady Gaga! On va attendre, je vais fermer la porte. On va voir si elles sortent ou pas. Et du coup, avant, elles étaient au vivarium où elles étaient complètement fermées, elles n'avaient pas d'extérieur. Là, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est sympa. Mmh. Lady Gaga! Allez! J'ai des carottes à couper, moi! Lady! Viens, ma belle! Faites pas sûr, avec les moments. Lady? Oh, ma Gaga! Donc Gaga arrive, Gaga sort, donc elle profite, elle commence à chercher un peu la nourriture et tout, donc là elle a pris de l'avance par rapport à Lady, donc là elle peut se faire plaisir. Toutes les cachettes les plus faciles, du coup elle va les avoir. Donc petit avantage Gaga. Un, ça les nourrit, deux, ça les occupe, donc c'est bien. Lady! Viens ma belle! Oui! C'est mademoiselle Lady. Qui elle du coup sort un petit peu plus tard et hop, et là c'est parti, elles vont toutes les deux au même endroit, donc c'est assez rigolo, donc c'est un peu la petite bagarre. C'est un peu comme à Pâques quand les enfants cherchent du chocolat, là, c'est pareil, je veux trouver le premier. Bon bah elles sont bien réveillées, elles ont bien mangé, tout va bien, elles font leur petite vie, puis nous on peut y aller du coup. Tu peux passer par la porte, ça, c'est un nouveau système, voilà, exactement. Mais je c'est connais. Comme ça que ça marche. Parfait. Ça va. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas vu les tatous, tout simplement parce que j'avais quitté le zoo de la Flèche, j'étais voyagé, etc. J'ai profité de la vie, on va dire. Et du coup, je suis revenu. Ça me fait un grand plaisir de retrouver un peu tout le monde. Et c'est toujours sympa de voir les animaux, de voir leur évolution, comment ils ont changé. Et puis moi, c'est la première fois que je voyais leur nouvel environnement. Bon, là, ils sont sympas, la 5 étoiles par rapport à leur F1 qu'ils avaient à l'époque. Donc ça, c'est vraiment chouette. Terminé, bonsoir. This
Allez, mange, c'est bien ça. Super, Miguizi. Super cool. Mange, je t'occupe pas du reste. Voilà. Bon, cet après-midi, je vais travailler un petit peu Miguizi, donc notre mâle pigargue à tête blanche, notre petit jeune qui a 2 ans maintenant. Et il est en pleine phase d'apprentissage. Donc là, en ce moment, on l'habitue au site, surtout à l'extérieur, pour qu'il puisse bientôt évoluer dessus. Allez. Hop. Non. Oh. Regarde, c'est Peter. Peter le pain. Va être bien là. Tu vas pouvoir observer tout ce qui se passe. Miguizi donc est arrivé il y a 1 an et demi maintenant. Il est né aux eaux de Beauval et donc on l'a récupéré en plein mois de décembre. On l'a laissé une année tranquille aux volières d'hivernage parce qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait d'imprégnation de l'homme. Il faut vraiment qu'il garde son petit côté un peu sauvage pour que ça se passe bien après et dans le respect, on va dire. Donc en octobre, quand on a commencé à avoir un peu moins de spectacles, on l'a redescendu au niveau de la fauconnerie pour commencer justement à l'apprivoiser un petit peu. On l'a travaillé tout l'hiver. La première phase, évidemment, c'était lui apprendre à manger dans le gant, à monter sur le gant. On a remarqué très rapidement que c'était un oiseau quand même qui a envie d'apprendre. Tu la reconnais? Ouais. Attends. Là, depuis quelques temps, je l'emmène en extérieur pour qu'il s'habitue aussi. On le met sur une petite perche au milieu de l'air de spectacle pour qu'il regarde bien partout autour de lui et que... Il voit toutes les choses qui pourraient faire un petit peu peur, c'est bon, comme un véhicule, une poussette, les visiteurs, un avion qui passe, pourquoi pas, une mouette, un chat, un paon aussi. Enfin voilà. Et c'est hyper important pour sa désensibilisation et pour qu'après il soit serein sur cette aire de spectacle. Tellement de choses à observer, tu vas être bien. Je le trouve assez calme. Je trouve qu'il est quand même très serein maintenant sur le site. Il s'est bien habitué. Là, il y a des gens qui passent au même moment, clairement, qui ne les calculent pas. Bah, il les regarde, mais il n'a pas du tout d'inquiétude par rapport à ça. Tu n'as pas l'air trop inquiet. Les mouettes, le paon, tu es bien entouré. À toutes. Quand tu vois que voilà, il est zen sur sa perche, qu'il ne bouge pas, aucun intérêt de rester 2 heures à le regarder. Donc, je continue mon boulot, évidemment. Et puis, je reviendrai le récupérer tout à l'heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas très beau, donc la pluie revient, forcément. Donc j'attends un petit peu, parce que bon, de toute façon, il y a des oiseaux qui adorent la pluie et qui en profitent pour prendre la douche et se laver, donc c'est pas un souci non plus. Ils sont pas en sucre, comme on dit. Et puis au bout d'un moment, ça pleut quand même assez fort, donc je décide d'aller le récupérer. C'est bon, t'as pris la douche? Bah oui, mon pauvre loulou. C'est pas de bol, t'es pas resté longtemps. Bon, c'est moi, ah oui, pardon. Tu me reconnais? Effectivement, quand j'arrive vers lui, je vois qu'il est, il a un petit mouvement de recul. Il dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me dis « Ah mince, la capuche, peut-être que... là, j'ai pas la même tête. » Donc j'enlève la capuche pour le rassurer, lui montrer que c'est bien moi, que tout va bien. Allez, monte, je t'emmène. On est bon? Ouais. Voilà. Allez, on rentre, mon bébé. Il y a encore du boulot parce qu'évidemment, maintenant, il faut qu'il apprenne à voler dehors et puis à voler avec Cheyenne et à voler en spectacle. Mais oui, dans l'ensemble, je suis contente. C'est un oiseau très sympa. Tu peux verser le seau direct dans la gamelle. Je suis avec Jeanne, ma stagiaire, et on se retrouve à la Pampa pour faire la rentrée de tout le petit monde. Ado ! Allez, Doun ! La rentrée de la Pampa, aujourd'hui, est assez stratégique. Chacun doit vraiment aller à sa place. Toi, tu restes derrière, comme ça, moi, je gère les fourmis. Allez, Nono. Donc là, c'est pour ça que c'est important pour moi que d'abord les tapirs et les fourmiliers rentrent, que je puisse fermer les trappes, qu'ils soient en train de manger tranquillement avant de passer aux autres espèces. Et donc là, notre fourmilier passe, le mâle tapir passe, mes shadows n'est toujours pas là, donc je vais aller la stimuler un petit peu, la motiver, tout en essayant que les capybaras restent sur l'enclos encore 3 petites minutes. Allez, Shadow, viens, ma belle. Allez, on se pousse les petits culs. Allez, ma belle. Allez, Shadow. Allez, ma Shadow, on y va. Non. Les petits, c'est pas votre tour. J'essaye de...
à la fois stimuler Shadow pour qu'elle avance et de l'autre côté freiner les capis pour pas qu'ils aillent manger sa nourriture à elle. Merci madame. Alias. Depuis cet hiver, nos animaux ont enfin leur nouveau quartier. Donc, les fourmiliers ont leur bâtiment juste pour eux, avec un bassin à l'intérieur, les tapirs également. On a un confort de travail qui a quand même un petit peu augmenté, et pour eux également, puisque les tapirs maintenant ont un bassin chauffé en intérieur. Donc, pour l'hiver, c'est bien plus agréable pour eux. Et puis, pour nous, on a plus d'espace à leur donner. On a des loges en écorce chez les tapirs, donc c'est sympa pour eux. Yuba a bien grandi, il monte plus sur le dos de sa mère. Et dans son comportement, je trouve qu'il s'émancipe de plus en plus. Et c'est hyper cool de le voir évoluer comme ça, de vivre sa vie tranquillement sans être dans les pattes de sa mère. Moi, je vais rester à côté de la porte parce qu'il y a des capis, sinon, quand ils vont voir la bouffe, ils vont essayer de venir. Et le but, c'est que toi, tu restes dans le coin là. Comme ça, si jamais il y a un andou qui vient, bah, moi, du coup, je l'indique par là. Et toi, tu te mets derrière pour qu'ils repartent par là-bas. OK. Évidemment, sur le chemin, il y a la cabane des Nandous. Les capybaras ont donc bien remarqué qu'il y avait un petit peu de nourriture dans la gamelle. Je me mets en barrage, ils essayent quand même, puisqu'ils ont peur de rien. On se fait respecter quand même, hein. Puis voilà, ils filent après jusqu'à l'horloge. Voilà, la petite femelle Darwin. Le mâle. Voilà. Et notre bip-bip national. Quelques semaines, nous avons de nouveaux individus sur la Pampa qui sont de nouveaux nandous, mais qui ne sont pas les mêmes nandous que notre femelle Bip Bip, qui le Bip est une nandou d'Amérique, et les deux nouveaux sont des nandous de Darwin. Et donc eux, ils vont se retrouver plutôt sur le plateau andin et la Patagonie, donc un petit peu plus petit, un petit peu plus brun, on va dire. Et c'est assez intéressant à les voir, ils se sont assez bien entendus avec Bip Bip. La mise en contact s'est super bien passée, avec les autres espèces également. Ils sont assez mignons. Je t'enlève toutes les branches aussi. Je vais les prendre là, vu que j'ai le gator et que j'ai chargé celle de ce matin. On va les prendre tout de suite en allant chercher les outils là. Ok. Là, je les quitte une fois qu'ils sont tous fermés pour manger. Et on va faire un bon brin de nettoyage sur l'enclos. Et comme ça, après, on pourra les ressortir avant de partir, nous, manger. Ensuite, une fois que tout le monde a fini, on peut rouvrir toutes les portes. Tapir, capybara et nandou, en fait, vont évoluer tous ensemble jour et nuit.